Il paraît que nous, les enfants de la poule, le papillon est sorti d'un œuf. Mais son œuf à lui est tout petit petit, et c'est très bien, car son petit est plus petit qu'un petit poussin. L'histoire du papillon alors. Bah ouais alors. Le papillon pond son œuf sur une feuille, et il s'en va, et il s'en va, et l'œuf il reste là. La 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 la, et l'œuf il reste là. Le temps passe, et l'œuf un jour il se casse et sort une chenille. Chenille, sort une chenille. Tu veux dire que la chenille, elle sort d'un œuf de papillon? Bah ouais, mais elle a pas l'air du tout d'être sa fille. La patte d'aile a plein de pattes et toute poilue. C'est drôle, hein? Ah ouais, les poussins au moins ça nous ressemble, pas vrai? Ils ont deux pattes, un bec et ils sont tout mignons, pas vrai? Eh ouais, et ils font piou piou. Viens, on retourne à la chenille. Fais-nous un toc-toc pour voir. Chenille, sort une chenille. Chenille, sort une chenille. Elle sort affamée. Mange, mange toute sa coquille. Et rampe, rampe, mange, remange. Elle aime manger la chenille. Coco, coco, coco. Elle aime manger la chenille. Un jour la chenille en a marre et veut s'arrêter. Changer de peau, laisser tomber ses pattes et s'enrouler comme une momie et ne s'appeler plus chenille. Cri, cri, chrysalide, elle devient chrysalide. Cri, cri, chrysalide, elle devient chrysalide. Mais alors, elle reste là dans ce petit paquet? Ben ouais, on dirait un bonbon tout enveloppé. Quelle coquine! Allez, on ouvre la chrysalide. Fais-nous un toc-toc alors. Et quand la chrysalide enfin s'ouvre, un papillon sort tout plié, tout en boule. Papillon courage, écarte, écarte, écarte bien les ailes. Papa papillon de toutes les couleurs, papa papillon de va de fleur en fleur. Papa papillon les couleurs. Papa papillonne, va de fleur en fleur. Attends un peu, là tu veux dire que les papillons et la chenille sont la même bestiole? Ben ouais, avec une métamorphose au milieu. Oula, c'est compliqué ça, vaut mieux qu'on monte d'un ton. Allez, on y va. Un jour le papillon se pose sur une feuille et pond un œuf et pond un œuf et toc et toc et toc. Et l'histoire recommence à nouveau. Dans la nature, les histoires sont ainsi. Ça recommence juste quand on croit que c'est fini. Dans la nature, les histoires sont ainsi. Ça recommence juste quand on croit que c'est fini.